Dans l'épisode précédent, je vous ai montré mon enclos sur les Deinosuchus, un enclos géant avec des crocos. Aujourd'hui, on se retrouve sur le serveur commu et on va visiter des bases. Alors, c'est parti pour un épisode! Yo les amis, c'est Patch Curtis. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Ark Ascended. Et aujourd'hui, on va visiter plusieurs bases. C'est parti. Ok les amis, on se retrouve sur la première base. Et je vous rappelle que si vous voulez rejoindre le serveur commu, vous avez le lien dans la vidéo. Vous avez le Discord et les modalités sur Discord pour rejoindre le serveur commu. Voilà les amis, donc vous êtes le bienvenu. Il y a de la place, c'est cross-platform. Vous pouvez venir avec une Xbox, une PlayStation ou un PC. Les amis, vous êtes la bienvenue. Alors là, on se retrouve ici là devant une base qui a l'air énorme. Je vais... Et oui. Ah oui, je vais montrer aux abonnés. Donc on se trouve ici au niveau de la tour rouge. Voilà, on se retrouve juste ici au pied de la tour rouge. Et là, les amis, on va retrouver Flo. Pour ceux qui se rappellent de Flo, c'est le petit qui était dans la vidéo de Noël et qui est modérateur de la chaîne. Pour ceux qui ont vu l'event, d'ailleurs, sur le serveur commu, il y a une vidéo où j'ai fait un événement, une sorte de parcours avec des énigmes. Je vous invite à aller voir cette vidéo. J'ai adoré la tournée. Bon, Lola, t'es prête? On toque? Oui, je suis prête. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà. Y a-t-il quelqu'un? Hop là! Oh, wow. Où est-ce qu'il est? Ah oh, bah il est là! Il est où? Ah là! Oh là! Il est minuscule! Hop là! Wow. Salut Flo! Oh là là, tenue tech! Oh là là, et Flo, oui, ça rigole plus là! Salut Patch, ça va? Ça va et toi? Incroyable! T'es trop incroyable! Eh bah bienvenue! Eh ouais! Merci, c'est Merci. Gentil! Super! Avec les Rex de chaque côté, ok, ok, ça flex, hein. Oh oui, 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 c'est toujours très accueillant, hein. Légèrement, légèrement, mais ils sont gentils, on a limé les dents il n'y a pas longtemps. Okay. Ok, donc toi, Flo, tu es modérateur sur ce serveur. Donc c'est... Exactement. Voilà, donc c'est toi qui fais tes petites patrouilles, qui surveille que tout se passe bien, que voilà, qui veille au bonheur des uns et des autres. Bah d'ailleurs, avec ma petite rigno de patrouille. Voilà. Qui est juste ici. Donc, ça, c'est la rigno de patrouille. Voilà, c'est la gendarmerie nationale. Rigno de patrouille. Voilà, quand on te voit arriver en rigno comme ça, on sait qu'il y a une petite patrouille. Et que, voilà, que tu surveilles s'il y a des bases qui sont pas abandonnées ou des choses comme ça. Ou alors filer un petit coup de main aux membres et tout. Voilà. Flo est très Exactement. Apprécié dans la communauté. Il fait très très bien son boulot. Eh bien, écoute. Eh bien, écoute, c'est gentil, merci. Eh ben, on peut commencer la petite visite si vous voulez. On te suit, on te suit. Let's go. Ça marche. On commence par quoi ? Vous allez me voir, c'est bon ? Ouais, 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 on te voit. Par contre, déjà, je montre un petit peu l'espace que tu as pris. Donc, il y a déjà un grand espace. Voilà, il y a beaucoup de structures, beaucoup de bâtiments. On commence par quoi, Flo ? Bah, on va commencer par le fond, là. Donc, déjà, on a les petits Karchas, les Rignonata qui sont ici à l'ombre. Parce qu'elles n'aiment pas trop le soleil. Ah, ok, ok. Il prend soin de ses animaux, hein, c'est très bien. C'est ça. Donc, ici, nous avons la petite couveuse. Ok. La zone d'éclosion. Ok. Donc, petit bâtiment, enfin, qui est déjà pas mal pour sortir plusieurs œufs. Donc, c'est assez sympa. C'est là où on a fait tous nos rex de boss. La petite zone d'éclosion. Ah ouais. Très bien. Ici, donc, on a le bâtiment des volants, c'est ça? Exactement. Là, on peut monter. On va voir qu'il y a tout ce qui est Argentavis et Pteranodon. Ok. Belle collection. Très beau, trop, trop beau. Merci, c'est gentil. Ah, c'est joli. Belle collection. Ouh, donc, il est beau celui-là. Ouais, on a quelques petites couleurs qui sont sympathiques. Moi, j'aime bien celui-ci qui est violet et rouge, là. Ouais, il est trop beau. Ouais, pas mal, pas mal. Ok, une belle petite collection d'argent, deux ptera. Oh, celui-là est original aussi. Ok, ça, on c'est pendant les events. Si tu enlèves le bec, on dirait un alpha. Ouais, ouais. Ah, c'est pas mal, c'est très joli. Et là, oh, on a un super pont. Voilà. Alors ici, on a une vue, ma vue préférée. Wow. Ah ouais, ouais. Ah ça tue hein, de chaque côté hein. C'est super ouais. beau. Donc voilà. Là on a le spot et qui ici, est bien exploité. Je vois qu'il y a du croco là-bas. Très bien, avec la petite cascade, c'est joli hein. On a essayé d'aérer tout ça et on n'est pas mécontent du rendu final. Ah, c'est pas mal. Et là du coup la cascade hop qui permet de repartir comme ça. Super Exactement beau. Et on traverse pour arriver directement à notre petite serre. Ok. Pour nos petits légumes.
Et le petit potager de Flo. Eh bien, avec la petite ruche. Petite ruche. Oh, ça. Super. Hein. Point trop d'en faut, hein. il y a le minimum. Mais, et ça suffit pour ce petit corps, je pense. Et... C'est ça. Voilà. il n'y a pas besoin de plus. C'est mes coéquipiers, ils mangent plus, mais bon. Il y a son gars et il y a ton gars, c'est les cousins à mon gars. Comme ça, incroyable. Vous en avez chacun. Ah, salut, c'est pas mal. En plus, avec le petit drapeau du gorille, impeccable. Ouais. C'est ça. Hop, c'est ouvert. C'est les gardes du corps. Ah non, c'est fermé. Oui, c'est ouvert. Hop. Ok. Regarde. Donc là, on a une petite entrée. C'est assez sobre, mais comme je dis, c'est une base de départ. Voilà, ouais, t'as commencé avec cette base et ensuite t'as développé. Exactement. Exactement. Okay, donc, tout le nécessaire. Donc quoi. Un petit coin, premier coin cuisine qu'on a eu. Okay. Ici, on avait nos petites chambres parce qu'on était que deux avec notre petit Kairoku parce qu'il aime bien. Loli et, je ne veux pas savoir. Je sais pas ce qu'il aime bien avec le Kairoku, mais je. C'est le lit à Parzival, ça. Ok. Ah ouais. Et donc, ici, nous avons notre salle des armoires. Ah ok. Voilà. Très bien, ok. Donc, et donc ensuite, donc, tu as développé avec une autre maison. Exactement. Montre-nous. Donc là, quand on ressort, ouais. On a un petit passage secret. D'accord. Hop, voilà. Donc ici, ça, c'est la nouveauté. On a rajouté notre crafting. Ah, pour avoir un peu plus de place pour la forge. Et du coup, pour notre beau réplicateur tech. Ah, ça y est, il est posé. On n'a toujours pas posé le note, nous. Let's go! Trop nice! Bien. Ok, bah, ouais, bien adapté temps, la structure. Encore. Ok. D'accord. Okay. C'est vraiment trop beau ce petit coin, j'adore. Très bien. Jolie petite entrée comme ça là. C'est mignon, ouais, avec les deux petits buissons. Ouvert. Ouais, c'est les bien, c'est bien. Les deux petits buissons, voilà. Ça fait rentrer la lumière. Et là, donc. Donc là, voilà. Donc là, on arrive à la nouvelle maison. Oui, exactement. Mais avant ça, je voudrais vous montrer un petit truc. Ouais. Suivez-moi. Ok. C'est... On te suit. Ici, on a eu les licornes. La maman avec son bébé. Wow. Ah ouais, oh la chance. La maman licorne. Exactement. Avec son bébé licorne. Exactement. Oh, oui, donc, du coup, elles sont là pour garder la maison. Oui, impeccable. Oh, ça donne envie de visiter ce qui est intérieur. Hein. Je vois une... Ouais. Je suis bien pressé là, de voir la petite maison là. Alors là, on a les deux petits drapeaux comme ça, les quatre petits drapeaux. Ok, mais vous en avez fait des boss, hein. Je vois que ça y va sur les boss, hein. Je comprends la tenue tech. On les a tous faits. Ah bah au moins, ça joue au jeu, quoi. Donc, bienvenue, on a un beau buffet. Ouh. On peut accueillir pas mal de personnes sur le serveur. Ah ouais, c'est donc, clair. Donc, faut pas hésiter, hein. Non, on peut vraiment s'installer et puis se faire une petite... une petite réunion avec plein de gens. Et Patch, passe-moi le sel, s'il te plaît. Allez, tiens, attrape. Désolé, j'ai les bras trop courts, moi. Oh là là, très bien, c'est mignon. Ok. Donc voilà, avec arrivé directement sur notre salle des cryos. D'accord, avec les petits artefacts cryo, rouges. Exactement, okay. Avec les cryos, les frigos. Ok, il y en a de la cryo là-dedans, à mon avis. Hein. Ah bah oui. Oui, vu qu'on est trois, on a un compartiment chacun. Donc 4 cryo-frigos, 1 frigo... pour chaque personne de la tribu. D'accord. Ça, on peut ranger nos dinos et on peut faire nos œufs plus facilement, en fait. D'accord. Et quand on arrive en haut, là, c'est une petite salle de réunion aussi, j'imagine. Ah, j'aime bien l'ambiance. Exactement. Voilà. On peut mettre un petit feu de camp, voilà. On discute, on refait le monde, on refait nos journées, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. Et c'est plutôt sympa. Bonne ambiance. Ok, donc là on arrive sur une nouvelle pièce du coup où je vois que t'as mis tes chibis. Oh la petite lumière, oh c'est beau les petites lampes bleues comme ça rend bien. Exactement, on a mis notre collection de chibis ici et du coup on a voulu mettre un petit peu de couleur. On aime bien la couleur nous ici, donc c'est dit pourquoi pas. Ok, j'adore. Elles le sont petit chibi guanodon, il est marrant. Ouais. Et le petit chibi Le petit chibi mouton, il est avec trop ses beau. Grandes cornes. Oh, c'est quoi ça? Oh, le petit chibi Terror Bird. Excellent. Hâte de voir les chibis Gigantoraptor, d'ailleurs. Oui, exactement. Ouais, c'est vrai. Nice. C'est joli. Et donc ici, on peut arriver au niveau du bar. Donc, un je bar? Me sers quoi? Mais on te voit pas, Flo. Quel bar? Tu peux nous servir? Ah oui, d'accord. Donc, il faudrait peut-être le réadapter à ta taille, hein.
Ouais, mais on a beaucoup de géants ici. S'il est trop petit, après ils vont croire que c'est des tabourets, donc non, mais ça va pas. Même moi, il est beaucoup trop grand pour moi. Et okay, ici, nice. notre petite zone extérieure pour manger avec, on va dire, un petit toit terrasse. Hein. On peut monter et ça nous fait un petit toit terrasse. Ah ouais, d'accord. Trop bien. Un petit solarium. Exactement. Ok, très bien. Et ensuite, je crois qu'il y a encore un étage. On monte par ici ? On va monter par ici. Ok, je te suis. Hop. Hop. Donc, ici, on a nos chambres. Donc, chaque étage pour chaque personne. Donc, ah, ça, c'est bien, la mienne. Ça. Ok, donc ça, c'est ta chambre. Oh. Exactement, ouais. Oh, les très jolies. Têtes de T-Rex, elles sont énormes par rapport à toi. Ouais, mais ça m'a pas empêché de les amener jusqu'ici. Hein. Ouais, ouais. Et les abattures. Ok, nice. Donc, vous avez chacun votre étage. Flo Soum Soum. Exactement, ouais. Ok. Et là, donc... si on monte, okay. On a l'étage à Eclipse. D'accord. Allez, c'est marqué Eclipse. Et là, pareil, petite chambre. À... Ah, il a mis son lit ici, lui. Ah, bah, il dort. Ok. Ok, ok, avec petite LED rouge. Même pas de tapis, quoi. Je suis choqué déçu, là. Ouais, sa chambre fait un peu minimaliste. Hein. Un petit y a même tapis, pas... y a rien pour le trophée, regarde. Je me dis qu'il manque une touche féministe dans la base pour. Ah ouais, pour c'est vrai, ouais, ouais, il va falloir recruter. Hein. Déco, Et au-dessus, donc Parzival, j'imagine. Parzival, c'est encore plus minimaliste. Non. Ah bah oui, là, il y a même pas le. Plus on monte, plus c'est minimaliste, quoi. Là, il y a même plus les trophées muraux, quoi. Il n'y a plus rien, il n'y a même plus les accroches. Il y a le tapis et le petit coffre. Ouais, il y a quand même le tapis et le coffre. Ouais, ouais. C'est la base d'une chambre, quoi. Ouais. Bon. Il manque une armoire. Mais au moins, ils ont chacun leur étage. Oh, ils auraient pu décorer avec des petites plantes et tout, là. Ils auraient pu se faire un petit truc sympa. Et la suite, eh ben, on va passer au milieu des Deinotheriums. Ok. Pour arriver à la dernière structure les gigantos. Que l'on a fait. Oh. Ok, les Civatheriums. Ah bah, c'est bien, c'est à jour, hein. On a essayé de faire explorer. Une petite zone... Ah bah voilà. Ouais, c'est ça, une zone un petit peu sauvage. Hop, hop. Voilà. Ok, alors j'adore cet endroit, moi. Sauvage. J'adore cet endroit. Le petit pont avec les bambous. Là, j'aime beaucoup. Ah, c'est trop beau. Ouais, avec la petite vue sur la cascade comme ça, là, j'aime beaucoup. Je crois que c'est mon endroit préféré. Ouais. Incroyable. Ouais, c'est un endroit qui est très, très beau et on vient juste de finir de le construire. Ah, donc, bah c'est ça. On alors. En est bien content. Voilà, il y a eu peut-être la progression aussi avec le temps au niveau des construits. Plus ça avance, plus ça exactement. Progresse. Exactement. Bah, ah, bah, surtout voilà. Que moi, c'est mon premier serveur en PvE. Donc, je débute en termes de construction. D'accord. Et je vois qu'il y a, quand même un petit up en termes de construction. Ah oui, par rapport au tout début. Donc, entre ta première maison du début, la base, la maison évoluée et cet endroit-là, on sent un petit gap à chaque fois. Voilà, là, tu vois, dans c'est le ça, détail, c'est... la finition, les petits arbres. Là, on met les oui, escaliers comme ça. On passe sous les arbres pour passer voilà. Pour passer dedans. La finition pierre aussi sur la porte. Ouais, là, c'est beau, ça. Oh, ça, c'est bien, ça. Et là, on arrive sur notre zone de reproduction de Tilacoleo. Bon, bah, pour l'instant, on a qu'un couple de Tilacoleo et on a les loups qui sont de l'autre côté. D'accord. Ah, j'aime bien le petit endroit, petit là. Notre petit coin, voilà. C'est on très a beau. Ah, j'adore incroyable. Ce genre de petit truc. On est comme attends, sur la base... Attends, si verte, hein. Tu as eu le droit aussi. Un petit peu, ouais. Mais... La muta verte, ouais, elle est grâce à Sony, mais... Pour rien dire. Ah mais, ouais. Bon, bah, okay. Super, avec la petite verdure et tout. J'aime bien, très lumineux. Là, ça voilà. Donne ouais, pareil. Là, on est vraiment dans un. Je sais pas comment dire, il y a un côté un peu amphi. Enfin, quand on se retrouve. Ouais. Ouais, ouais, quand un on se retrouve là-dedans. Aussi, non ouais, mais regarde, tu vois, quand on est ici et qu'on fait ces petites repros, je trouve qu'on a une belle vue. C'est chill. Ouais. C'est chill, tu on vois, s'y t'es sent pas. Bien. Ouais, voilà, c'est ça, on s'y sent bien. On est bien et dans son bâtiment. Et du coup, pour aller voir les Megalania, c'est par où faut. Eh ben en fait, si tu vas aller voir les Megalania, tiens, bah suis-moi, regarde. Hop. On ouvre la petite porte, on okay. descend, et les Megalania sont juste ici. Ah ouais. Ah d'accord. On a fait en sorte de laisser tout ouvert en fait. Nous on aime quand ça respire, quand c'est ouvert, quand ah voilà, bah quand oui. c'est aéré. Et, oh bah là, ça respire, et du coup, hein. On a accès aux Megalania également. Ok. Bon. En rouge, ils sont vraiment trop beaux. Impeccable. Avec la petite mangeoire, très très bien.
Ils sont bien. On a mis les petites lumières, c'est pour les UV, hein, parce que c'est des animaux qui ont besoin d'UV, beaucoup d'UV, donc ouais. On a besoin de beaucoup de lumière pour eux. Ok, voilà. Très bien. Ouais, très super. Bien. Pas mal du tout, hein. Ok, en tout cas, là, vraiment, cette vue-là, en plus, quand la maison dans les arbres, elle va être terminée, c'est super bien. Ce petit pont, là, on sent la nouveauté, en fait. Là, on sent que c'est l'ancienne base, que c'était ce qui était fait avant, même si c'est déjà très joli. Mais on sent quand même une nette évolution dans la construction et dans l'exploitation du terrain. Bah, c'est le flow nouveau, on va dire. C'est le flow nouveau. C'est le flow 2024, quoi. C'est comme sur Discord, en fait. J'étais helper, je suis monté modérateur. Donc là, il faut que je monte en grade aussi en termes de construction. Hein, donc, il n'y a pas le choix. Là, c'est ton petit coin pêche. Donc là, j'adore. Hein. Le petit coin pêche, une petite table. On peut s'asseoir ici, regarder un petit peu la cascade. C'est trop beau. Côté exotique, là, j'aime bien. Voilà, c'est ça. Merci. Et puis, qui nous amène directement à nos dinos marins, même si c'est pas assez grand, assez profond pour pouvoir faire des tuseaux ou autre, mais on va trouver une solution. Ouais, c'est bien, là, on a du baryonyx, on a de la grenouille, on a du croco. Un petit basilo, là-bas. Ah, et on a le plus beau des crocos. Ah oui, le boss. Le boss des boss. Qu'est-ce qu'il est beau, ce croco. Oh là 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 là. Regardez-moi ses yeux. Regardez-moi ses dents. Oh, il m'a fait un petit sourire, j'ai l'impression. Hein. Oui. Il sait que je prends soin de mes crocos. Il le sent. Ah, mais moi, il me pousse. Il est chiant. Tu as du poisson dans la poche de ton caleçon, peut-être. Alors, non. Ça sera un petit peu bizarre. Je me balade pas avec du poisson sur moi, mais. Oh, les baryonyx. Et nos baryonyx. Belle collection. Ils sont juste ici. Ils sont beaux en bleu clair et blanc comme ça. Ouais, avec une pointe de saumon, regarde sur les lignes là de celui-ci. Ah ouais. Le bleu. Trop beau. Très bien, très bien. Bon, eh bien joli. Mon petit Flo, j'ai un petit cadeau pour toi. Du coup, comme à chaque visite de base, on offre des petits cadeaux. Du coup, là, j'en ai un pour toi et je pense que tu vas être content. Hop. Regarde, et je t'en offre même une deuxième des selles mythiques de Deinonychus pour mettre justement sur ton gros bébé. Et je sais pas si c'est un mâle ou une femelle, mais ça serait bien de lui trouver un petit couple quand même, le pauvre. Ouais, mais j'essaie de trouver un HL, c'est pas très, très facile, mais on va y arriver. Ça va être ta prochaine mission. C'est pour ça que j'ai mis avec ses cousins. Exactement. Ok, ok, on repassera, on verra s'il y a du monde en plus. Hein. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup en tout cas pour ce joli cadeau. Eh ben, merci à toi pour la visite. De lui mettre sur le dos. Ça marche. Bon, eh bien à bientôt Flo. Merci eh encore. Eh bien écoutez, à bientôt. Salut, salut. À bientôt. Alors ici Lola, on arrive sur la base de Max. Eh oui. Réserve naturelle, zone de sauvetage de trilobites. Ah ouais. Ok. Oh. Donc là, c'est une réserve naturelle de trilobites. Ok, bah c'est une sacrée grande réserve. Ça a l'air magnifique. Hein. Alors les amis, pour ceux qui ont suivi cette série justement de la visite des bases, on se trouve pas loin de là où il y avait la base de Gedo et Umagad qui se trouve là-bas. Et là, on est juste à côté. Donc au niveau de la map, on se trouve ici. Voilà, et l'emplacement est plutôt pas mal, pas très safe, mais je vois que Max s'est bien installé. Écoute, j'ai hâte de découvrir ça, Lola, et si on toquait là. Toc, 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 toc. Allô, bonjour. Attention, Lola. Oh là 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 là. Coucou, Lola. Wow. Coucou, Max. Bienvenue. Comment ça va? Ça va, ça va. Ouh. Bah, t'es incroyable avec la bibliothèque. Bon, déjà, quand on rentre, déjà, on a de l'espace. Ça, c'est beau, ça. Regarde-moi ça. Je fais un petit angle de vue. Oh, oh, vraiment trop beau. Sympa, dis-moi l'esthétique là. Je vois qu'on a été dans la finition là. Ouais, c'est bien. Alors on commence par quoi? Dis-nous tout. Bah là c'est l'enclos de T-Rex pour les boss. Ok. Nice. Oh, oh, des vers fluo. Oh, bah tiens. On incroyable. A de la muta ici, hein. Ouais, c'est pour aller voir dans le noir. Ah. Ouais. Ok, pas mal. Ils ont les pattes dans l'eau en plus, ils peuvent se rafraîchir. C'est ça. Ok, et on a un petit étage au-dessus aussi. Et après, il y a un petit étage. Ah, il y a une petite échelle là, ok. Hop, ah, attends, si j'y arrive.
On y arrive ou... Ah, j'arrive pas à monter. Ah si, c'est bon. Ah, c'est de l'autre côté, d'accord. Ok. Petit étage avec du terri, du tilacoléo, du loup. Ok, c'est sympa ce petit côté triangle là dans la structure, j'aime beaucoup. L'extérieur, ça rend super bien. Et là, on a du baryonyx. Ok, pas mal, pas mal. Donc là, les petits breedings. Hein. Donc ici, c'est vraiment là où tu fais tous tes breedings, quoi. Ouais, certain. Ok, pas tous. Donc il reste longtemps, en fait. Ok, ça marche. Okay, sur la brique. En tout cas, les rex, ça en jette. Hein. En vert fluo, comme ça. Impeccable. Et ici, le petit oviraptor, la petite mangeoire. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre par là, dis donc? Oh, voilà. Voilà, alors ça tout de suite, hein, ça a tendance à m'attirer. Voilà. Oh, il est blanc en plus. Oh, il est incroyable. Il est trop beau. Oh là 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 là, on dirait un croco albinos. Regarde, il me reconnaît. Voilà. Il le sait, bah oui. Voilà, il a vu ma vidéo sur l'enclos des crocos. Voilà, tu le vois dans mes yeux. Voilà, je prends soin des petites bêtes comme toi. Il est incroyable. En tout blanc comme ça. Le petit enclos est sympa. Là, ils sont bien. Il y en a un deuxième. Magnifique. Très bien. Et là, ils sont douillés. Hein. Là, ils sont bien. Là. Ah, ils sont trop bien, là. Ils se plaisent bien, ils se plaisent bien. Tu les nourris à quoi? Ils se nourrissent tout seuls. Ils se nourrissent... Ok, tu donnes des inconnus, quoi. Les nouveaux qui arrivent sur le serveur. Hop, voilà. Petite visite. Et ils se font becter. Ok, on passe par où, maintenant? Là-bas? Oh, les carcarodons. Il y a un deuxième bâtiment. Oh, attends, mais t'as un carcarodon tout bleu, comme ça. Bah voilà, il part de l'autre côté. Mais t'as eu des mutas de carcarodons, là? Non, il y en a qu'une de mutas, un vert fluo. Ah ouais, bon, les ah donc ça c'était pendant l'event, le bleu là? Non, il n'y avait pas d'event. Il n'y avait pas d'event? T'es incroyable. Sûr que c'était pas à la Saint-Valentin ou à Noël? Non, 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 il n'y avait pas d'event. Tout bleu comme ça? Oui. Oh, incroyable. Ah ouais, c'est trop beau. Incroyable. Mais le premier tout à gauche est vraiment très féroce, hein. C'est mon préf. Hein. Ah ouais, oh, il est diabolique celui-là. Il est badass. Hein. Ok, et là, et donc... c'est un deuxième enclos, enfin un deuxième bâtiment pour les rex. Ok. Parce qu'il y a, d'un côté il y a les mutas vie et ici c'est les mutas attaque. Ok. Oh. Donc t'as deux bâtiments pour les rex. C'est ça. Ok. Il y a de la place. Très très bien, ouais. Ok, très bien. Bonne structure ça. Pour les rex, costaud. Oh là là, les carcarodons ils sont incroyables. Hein. Ouais. Ah, y'a vraiment de quoi faire là-bas, le petit parking à Rigno. Ah, t'as l'air d'en avoir plusieurs là. Ok, ouais. Je vois que t'as un titanosaure. Ah, toi, tu t'es pas ennuyé sur le serveur, hein? Non. Oh là 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 là, le titanosaure. Et tu l'as fait tout seul? Tout seul avec un kitbag. Oh, GG, t'as incroyable. Dû un petit peu de temps. Hein. On va dire ça, oui. Impec, et 26 boulets, je crois que j'en ai mis 200 à peu près. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Incroyable. Oh. Les petits. Et ça fait combien de temps? Parce qu'il est pas mort là depuis le temps, si ça fait un moment. Non, faut que je lui donne à manger tous les jours en fait. Faut que je force à manger. Ah ok. Et du coup, tu peux le garder jusqu'à la fin de ton aventure, quoi. Il va pas mourir. Ah, oui, tu as envie. Ah, trop bien. On va le mettre en cryo. Alors là, je vois que tu t'es fait une sorte de petit village. C'est juste incroyable. Cette petite ambiance là. Ah ouais. Magnifique. On commence par quoi? Bah, je sais pas, là c'est la maison. Alors, oui. Alors attends, ça c'est les gigantoraptors, tu leur as fait un petit enclos? Non, c'est en fait ici c'est où je fais des repos. Les œufs. Ah, les œufs, d'accord. Ouais. Ok, nice. Waouh, il est incroyable celui-là. Il part tout de suite. Violet et rose comme ça, le combo est trop beau. Ok, super joli. Avec les petits trophées des boss. Ouais. Non, on va peut-être finir le tour des enclos avant. Allez, c'est parti. Après en haut, c'est les argent tabou. Ok. Voilà. Ah, il y a l'entrée secrète. Ça. On grimpe. On va essayer de pas tomber. On va essayer de pas tomber, ouais. Oh là, le tournis. Ok. Les argentes avec récupération par le viraptor. Trop beau. Très bien. T'as des trop belles couleurs. On essaie. T'as pas de vert. Tu non. vois Non. Une petite vue sur les enclos marins là-bas. Mais il est où? Je suis là. T'es caché. Je montre aux abonnés les petits angles de vue. C'est super. Ah ouais, c'est beau. Voilà, oh, la redescente là. Wow. Ah bah il pleut, hein. Ah, faut la faire en snowboard, la redescente.
Ok, la petite pluie. Ok, donc ça, on a vu. On va se garder les petits enclos. Ah, tu veux faire les enclos marins avant la maison? Ouais, t'as raison. Il y a un petit enclos à l'outre. Oh, alors c'est une maison. Oh, c'est trop beau ça. Regarde la petite vue sur l'eau, comme ça, les petites loutres. Ah ouais, c'est le coin où tu prends ton petit café. Et j'adore parce que quand tu rentres dans ce petit bâtiment, tu vois juste un petit truc et tu t'attends pas à avoir une vue comme ça quand tu rentres. Et là, t'as toute une petite ambiance. C'est magnifique. Ah ouais. Et là, elles peuvent se baigner dans l'eau comme ça. C'est excellent. Ah, c'est super. J'aime beaucoup. Ouais, c'est trop trop beau. Et puis quand il pleut comme ça, ça fait vraiment cosy, je trouve. Ouais, ouais, on se sent à l'abri et tout. On voit la c'est pluie tomber. Trop beau. Hop. Ok, très bien, très bien. Ah, j'adore les trucs qui... Voilà, quand t'es comme ça, là, tu t'attends pas à ça, quoi. Alors ici, du coup, on arrive sur les enclos marins. Oh là, ça a l'air très très beau. Oh, les brontos violets et blancs, quoi. T'aimes bien le combo violet et blanc? Je l'ai vu, hein. Ah, non, c'est parce que je veux récupérer le blanc après pour mettre sur du bleu. Mais là, là c'est carrément une piscine, là. C'est la piscine et le bar. Attends, j'arrive pas à grimper. Oh, j'adore. Moi, c'est pas grimper sur l'échelle. Ah, dommage. C'est trop stylé. Regarde les transats, Patch. Ah ouais, les transats, mais incroyable. C'est trop bien fait, avec des chaises. Mais non. Ah, ça va donner des idées aux abonnés, ça, à mon avis. Ah, c'est nice. C'est trop trop bien. Et là, le petit tiki bar, au calme. Impeccable. Ah, oh, cette piscine. Oh. Ah avec oui. Avec le petit barman. Eh, mais là, on est au Nikki Beach, quoi. Mais oui. Oh là 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 là, mais ça, c'est incroyable. C'est très bien pensé, ça. Hein. Et au bout, super. Oh, on a même le barman. Alors, moi, je veux bien un Diabolo fraise, s'il te plaît. Excellent. Excellent. Bon, il y a le phare. Ah ouais, il y a le phare là-bas avec du coup l'émetteur tech. Wow, okay, trop nice. Stylé. Ouais, ça rend bien ça. Ok, incroyable. Ok, ok. Et de l'autre côté du coup. Et après, il y a les deux enclos marins. Le petit et le grand. Petit marin et grand bain. Ok. Nice. Ah ouais, ah oui, oui, oui. T'as tout à mettre quoi. T'as tout aimé. Ah ouais. Ah, t'es expert en fonds marins, non? Non, mais j'aime bien. T'as l'habitude de t'amener dans les fonds marins? Oh, j'aime bien. Bah, ah ouais, c'est ouf. Ah, ça se voit, hein. C'est pour ça que t'as fait ta base, à mon avis, près de l'océan. Je pense que t'as dû bien t'amuser. Hop, là, des tuceaux. Ouh. Ok, nice. Ah, ça rend bien. Ah ouais, ça rend super bien. Tout en cercle comme ça, c'est très beau. Ah, puis y a de la place. Et la nuit avec les baudroies, c'est éclairé. Ah ouais. Ouais. Au top. Ah ouais. Au top, ces petits enclos marins. Je les voyais de loin petit radeau, en plus. Là. Je les voyais de loin en visitant un petit peu le serveur commu, en faisant des petits tours comme ça. Et je me suis dit, waouh, là, les enclos marins, là, c'est... Il y a du level. Ok, bon. Max, montre-nous ta maison. Je pense qu'on est tous impatients là, on a envie de voir la maison. Oh là là, regardez-moi cette petite vue en plus sur le biome neige. Impeccable. Impeccable. Regardez-moi cette petite ambiance village. On commence par là-bas? Ok, je te suis. On passe par devant. Hein. Comme tu veux, comme tu veux. Allez, c'est parti. Par contre, vu que c'est beaucoup de terre ici, beaucoup de sable, on essuie ses pieds avant de rentrer, s'il vous plaît. D'accord. Voilà, on essuie ses pieds. Tac, 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 tac. Voilà. Nice. Avec le petit digicode à l'entrée. Oh, mais c'est trop bien le tapis. Ah, mais attends. Mais ils sont en train de regarder la télé. Oh, mais faut pas leur dire, j'ai éteint, ils l'ont pas vu. Regarde, excellent. Mais comment t'as fait ça? Ils sont en train de regarder la télé. Avec des chaises, avec une tombe. Je crois, hein, c'est ça. Une pierre tombale, hein, des chaises et des bancs. Une pierre tombale sur les tables. Et là, après, t'as des petits panneaux comme ça. Et ça donne l'impression d'avoir une télé avec des petits bancs comme ça. Là, je montre bien pour les abonnés, là. Hop, regardez. Le petit banc, des petites chaises en plus. Et des pierres tombales derrière pour faire une petite banquette comme ça. Et pour donner sur une télé. Très, très bien. Ça rend super bien. C'est trop bien. Ah ouais. Ouais, c'est les toilettes, mais ils sont pas en or, moi. Ok, ah oui, oui, parce qu'il y en a d'autres, ils ont des toilettes en or. Oh, regarde-moi tous ces artefacts. Ah ouais, là, ça a bossé ici. Hein. Wow. Ah, ça a bossé, on a fait tous les boss en alpha, là.
Ah, c'est le couloir de la réussite ici. Ah, hein. Oui. C'est clair. C'est le couloir de la réussite, j'aurais pas mieux dit. Oh, c'est bien. Ouais, regarde, c'est bien. Mais c'est trop stylé. Regarde cette table, comment il a fait ça. Mais non, c'est une cuisine. Avec c'est le chef cuistot derrière. Alors là, mais là, je suis sur le cul. J'essaye mais... de comprendre comment il a fait, mais c'est dur. Ah, donc là, c'est des panneaux des aussi pour de dessiner peinture. Dessus aussi, je pense. Ouais, c'est des toiles. Mais je les reconnais pas, plat. En fait. Peinte en gris, j'imagine. Même pas. Même pas. Même pas. Mais c'est pour ça, ouais, je les reconnais pas, mais en fait. C'est incroyable, regarde, avec la petite arrivée d'eau et les petits trucs. On dirait vraiment un vrai meuble de cuisine. Non, mais là, c'est incroyable. Et par contre, les plantes, à chaque fois, c'est super. Ça rajoute de la couleur et tout, c'est ah, bien vivant. Je suis sans voix. Oh, regarde avec les petits compis qu'ils attendent pour manger. Oh, il a faim. Non, mais quelle idée, quoi. Oh, trop, trop bien. C'est trop, trop, trop stylé. Ça a tellement... Il y a une ambiance, c'est chaleureux. Regarde le four. Ouais, encastré. Mais c'est dingue. Ouais. Et que les petits seaux, bah du coup c'est les éviers. Et lui avec son petit chapeau pour faire le petit chef cuistot, quoi. Ouais. Bravo, hein, parce ah ouais, que franchement... Bravo, félicitations. Hein. Là les amis, n'hésitez pas à lui mettre des commentaires pour le féliciter pour sa petite cuisine. Parce que c'est vraiment très très bien pensé. J'ai je trouve pas envie ça de incroyable. Partir, quoi. Ah, je trouve ça vraiment incroyable. Et d'ailleurs les amis, je vous dis ça, mais Lola va bientôt faire des vlogs sur le serveur Commu. Je mettrai sa chaîne dans la description de la vidéo. Et je pense qu'à mon avis, Lola, quand je vois des trucs comme ça, il y a carrément moyen de venir vlogger dans ce genre de base. Hein. Là, tu peux te faire des scènes ici sur tes vlogs, c'est incroyable. Ouais. Oh, super Max, on continue. Vas-y, montre-nous tout. Enfin, de la base. Hein. Oui. Allez, oh, le Mac. Il y a un Mac. Mais non. Mais si, regarde. Mais non. Mais... il a fait un Mac. Mais non. Oh, il a son setup. C'est ça, faut regarder tes vidéos. Hein. Incroyable. Mais par contre, ouais, t'as mis un skin cosmétique, mais du coup, nous, on n'a pas, on voit un petit cul ah, ici. Oui. Je sais pas ah, si c'est oui. Normal, mais ouais. Oui, mais normalement, pas, c'est la tasse à café, et là, sur la caisse, il y a la lampe. Quoi. Ah, d'accord. Ouais, voilà, d'accord. C'est vraiment dommage, du coup. Mais il ouais, on imagine qu'il y a de la déco. Ouais, ouais. Ouais. Trop bien. Trop bien. Et c'est, on en fait deux pas, on a une surprise, quoi. Et là, c'est la salle de bain. Salle de bain. Oh, oh, trop bien pensé. Le tonneau, bah pensé. Ouais. Ah oui, la petite baignoire. Trop, trop bien. La petite douche. Mais wow. Mais... Le petit panneau mural en métal pour dire que c'est le miroir. Et, tu vois, même dans mes séries, je pense pas à ce souci du détail. Je pense pas. À... Moi, étant donné que, voilà, que j'enchaîne un peu les vidéos, du coup, je suis un peu dans le fonctionnel. Et là, là, c'est... Mais ça donne des idées. Hein. C'est fait pour ce genre de vidéo. C'est, mais voilà. Ça montre en fait qu'on peut carrément faire une salle de bain avec ce qu'on a et le petit ah mode oui, là, mais sinon. Non, mais là, c'est incroyable. On peut hein. Tout faire quoi. Incroyable. Là, rien là, je n'est pense impossible que, là, chez Max. Ouais, c'est ça. Là, pour donner des idées vraiment. incroyable. En dessous, il y a quoi? C'est l'atelier. Oh là 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 là. Mais même l'atelier. Hop. Mais c'est trop bien. C'est trop trop bien. Incroyable. Quelle organisation. Incroyable, petit labo de chimie ici, regarde. Ici, oh, oh là 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 là. Là, il y a... hey. Comment il s'appelle Iron Man. Regarde ah ouais. Ça. Incroyable, là ici, il a rangé toutes ses tenues. Ses cryos. Ses coffres. C'est super c'est bien organisé. C'est le petit dressing, quoi. Ouais. C'est ça. La pièce bien optimisée comme il faut. Il n'y en a pas trop. Il y a juste ce qu'il faut et c'est parfait. Ok. Là, c'est les petits bousiers, les petits bousiers, ouais, ouais, le fonctionnel, quoi. Là, ouais, par contre, je suis pas d'accord. Moi, les moutons, c'est dans un pré qu'ils doivent être. Ouais, hein, c'est pas vrai. Dans une cave, mais... hein, Max. Ouais. Au début, ils étaient dehors, mais les Argentavis les mangent. Ah, ah, ok. Ah, oui. Pour les protéger, oui. Quoi. D'accord. Sur l'intérieur, bon, pour j'accepte. Être en sécurité. J'accepte. De temps en temps, ils vont faire une balade dehors, je les promène. Ouais, trop, trop je bien. Je remonte, du coup. Ok. Ah, c'est fou, hein. C'est fou, vraiment, le ouais, souci du ouf. Détail, là, c'est... C'est super ouf. C'est incroyable. Du coup, on va là-haut. Ouais, à l'étage. Oh là là là. Oh. La petite chambre cosy, trop bien. Nice, le petit bureau, t'as vu ah, c'est pareil, il ouais. Y a une lampe, vous la verrez pas, du coup. Ok.
Et vous oubliez de mettre des plantes à l'intérieur, je trouve. Ah, mais c'est vrai mais qu'avec c'est... Nature mais non, Touch. Il en a mis plein. Il en a mis plein, Max. Dans la chambre, non, j'avais pas mis, mais en bas, oui, il y en a. Ah, dans bah oui, cuisine, oui. Regarde les lampes. Les lampes de chevet. Ah, mais. Mais non, mais ça, c'est un chili méduse pour une lampe de mais chevet. Oui. Il en a deux. Mais c'est incroyable. Non, alors là, vraiment, là, là le et détail. En vrai, le piédestal en dessous du coffre, franchement, ça dénote pas, au contraire, ça va ensemble, je trouve. Mais du oui, on dirait vraiment deux petites lampes c'est de chevet. C'est vraiment super. Quoi. Ah, c'est incroyable. Hein. Toujours le petit digicode. Oh, puis c'est cette architecture. Ouais. Pour tout fermer les portes avant d'aller se coucher. Ah, bah oui, très important. Eh, c'est dingue. Trop bien. Hein. Ou tout ouvrir quand il fait chaud. Il doit pas faire chaud souvent ici, hein, je pense. Hein. Non. Là, on est plus sûr de la fraîcheur, là. On est vraiment à la limite. Hein. Mais incroyable. Vas-y, on te suit. On te suit. Continue à nous faire rêver, Max. Regardez les plantes, là. Ouais, bah ouais, oui, ouais. Bah plantes. Oui. Attends pour moi. On a partout des plantes ici. Ouais, c'est bien. C'est ce que j'ai dit en plus tout à l'heure. Magnifique. Donc là, oh, j'adore non, mais cette cuisine, les la amis. La cuisine, là. Elle est extraordinaire, ouais. Non, mais incroyable. Mais si on a la petite serre. C'est vraiment fou. Ok, la petite serre, let's go. Nice. Avec toujours les petits cette petite engrais. Architecture. Non, mais même la serre, elle est pas basique. Ouais. Nice. J'essaye de comprendre. Bah, t'as ah mis oui, plusieurs carrés c'est... de culture les uns sur les autres, là, je crois. Hein. C'est ça, c'est faire des pots. Et les mégeaux pour en avoir ah, mais on plus. Peut faire ça et ouais, ça bon. Donne un effet pot de fleurs, quoi. Un effet un plus grand ah pot. Ah oui, quoi. Tu les empiles, d'accord. Nice. Ça a tamé des ruches, et, super. Mais là, c'est enfin, trop bien abeilles. Parce que là, ça donne vraiment une ambiance village, quoi. Ouais. Ici, on a le bureau des plaintes. Bureau des plaintes. Mais non. T'en as. Ah oui, il y en a. Oh ouais. Oh là 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 là, la salle. Waouh. Mais c'est incroyable. Incroyable. C'est quoi le drapeau Wanted, là? Attends. C'est ceux qu'on doit chasser. C'est un tueur de giga. Mais comment t'as c'est fait ça? C'est qui le tueur de giga? C'est la case. Ah mais ouais non. Giga. Et après, de l'autre côté, on a Sony qui tue les trilobites quand il vient chez moi. Ah d'accord. Ah ouais. Mon avis de recherche en fait, sur la tête. Mais c'est incroyable. Génocide de trilobites, Sony, ah oui d'accord. Et là, 93LCZ, ah oui d'accord. Mais comment t'as fait du coup pour mettre des images comme ça sur le drapeau? Je pense que ça va intéresser du monde. C'est un fichier FMT et après tu importes dans ARC. Et après quand tu peins en fait, tu peux charger une image. D'accord, ok, alors je suis pas sûr que tout le monde comprenne, mais au moins c'est dit pour ceux qui comprendront. Ok, très bien, incroyable. On continue? Waouh, c'est bien. Hein. Oh là 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 là, regarde le visual storage installé ici comme ouais. Ça là. Ça fait vraiment chalet quoi. Ouais, un peu ambiance, je dirais un peu Canada parce qu'il y a la neige à côté comme ça. Ah, je sais pas, ça m'inspire ça un peu là. Ah, c'est top, hein. C'est top. Et après, magasin. Ici, magasin. Le petit magasin. Magasin. ARC Market. ARC Supermarket. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et tu remarqueras, il y a toujours quelqu'un au comptoir. Hein. On veut du ciment, s'il vous plaît, des perles de silice. Assez plein, d'ailleurs. Ah, oh, bah ici, si, oui, si t'es juste à côté ça, du spot à perles de silice. Donc là, t'es bien, à mon avis. Hein. Là, on est fou, là. Ok, petite vue sur l'eau. Très bien, très bien. Le petit atelier, les pots. C'est beau, hein. C'est très beau. Et ici, on a quoi? C'est super bien fait. Et c'est les machines qui font du bruit, donc elles sont dehors. C'est la forge. C'est le coin usine, bien. Quoi. Ok. Ça marche. Bien, impeccable. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Eh ben, dis donc. Bah franchement... Non, on en veut encore. Ouais, c'est clair que... Oui, on n'a pas envie que ça s'arrête, quoi. Ah, c'est dingue. Hein. On veut d'autres astuces, Max. Ah, c'est dingue. Trop bien. Ah, bravo vraiment, à toi. Vraiment, là... Tu nous as épatés. Là, au moins, pour le titre de la vidéo, nos abonnés ont du talent. Voilà, hein, c'est pas mensonger. Bienvenue chez Max. Boîte aux lettres. Ah, donc ça, c'est ouvert à tout le monde, j'imagine. Ok, c'est ici qu'on met des cadeaux. Eh ben, écoute, je te mets des cadeaux. Voilà, parfait. Comme t'as deux crocos, je te mets deux sels mythiques de gros crocos.
C'est parfait, ça. Eh ben, écoute, avec plaisir. Non, merci. Bon, bah, je te pose pas la question. J'imagine que tu te sens bien sur le serveur, là. Hein. Très bien, très bien. Tout va bien avec le voisinage dire, et tout. Il y a Sony, je trouve que tout le temps qu'il est passé à Elter, il a pris un peu la grosse tête, quoi. Mais... Ah oui, alors, ça, non, justement... Ça, justement. Ah. Alors, ça, c'est bien que tu nous le dises, parce que, comme je disais en début de visite, Lola va faire des vlogs sur le serveur commu et préparer vos ragots, parce que quand elle va passer vous voir, il faudra raconter des ragots sur les voisins. Ok ? Oh, bah ça, j'en ai plein. Ah, et bah, elle passera te voir avec plaisir, voir alors. En premier, alors, parce que moi, il faut que... Voilà. Il faut que ça soit clair, il faut que je fasse un petit tour sur le serveur et je pense qu'il se passe plein de choses dessus. Voilà, voilà, il va se passer plein de choses, il va y avoir beaucoup de ragots, donc les amis, allez vous abonner à la chaîne de Lola. Encore une fois, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Bon, bah Max, merci beaucoup pour cette visite, c'est incroyable. Oui, merci beaucoup. C'est un 10 sur 10. Bravo à toi, voilà. Un 20 sur 20. Magnifique. Voilà, bon, eh bien, écoute, on te laisse bosser. T'as d'autres projets en construction ? C'est dans l'arbre, oui. Je vais construire dans l'arbre pour mettre les rignots en sécurité. Parce qu'ici, il faut tout fermer, sinon on se fait attaquer. Donc, Ouais, c'est pas safe. Hein. Ok. La prochaine construction, c'est dans l'arbre. Ok, très bien. Eh bien, merci pour tout, Max. Merci pour cette visite. Merci à vous d'être venu. On se dit à bientôt. À bientôt. Salut. Merci. Salut. À toutes. Bon bah Lola, on a fait croire à Max qu'on était parti, hein. Mais tu veux pas qu'on prenne un verre ? Ah bah non, bah on va squatter un petit peu, on va profiter de la piscine. Bah exactement, qu'est-ce que tu prends ? Un diabolo fraise. Ok, alors un petit diabolo fraise et un petit diabolo pomme. Voilà, merci, impeccable. Bah écoute, moi je te propose qu'on s'installe tranquillement, hein. Hop bah, là, beau, je suis tombé hein. Dans l'eau, dis donc, bah elle est bonne. Oh bah impeccable, eh. Petite piscine. Ah là là. Ça fait du bien un petit peu de vacances, hein. Ah bah oui, on le mérite, Lola, hein. On le mérite. Ah bah hein. Oui. On a mal aux jambes à chaque fois en fin de journée, là, quand on a visité les bases. Ah bah oui, quand tu fais des visites comme ça, ça prend un petit peu de temps quand même, hein. Bah oui. Bon, en tout cas, cette visite, elle est vraiment incroyable, ma chère Lola. Ah, je crois que notre diabolo est servi. Ah, attends, j'ai vu le... Hop là. Voilà. Allez, viens, petit diabolo fraise, voilà, diabolo pomme, merci beaucoup. Bah écoute, viens Lola, je pense qu'on va se poser ici. Ouais, hop. Ok, ça marche. Oh, cette petite ambiance, eh, franchement, on n'est pas en vacances là ? Ah bah si, carrément. Ah, c'est tellement parfait. Moi j'y resterai bien là pour la nuit. Hein. Eh bah écoute, je pense que voilà, c'est locatif. Hein. Je pense qu'on peut se louer une petite nuit de vacances ici chez Max. Et puis on reviendra demain, hein. Écoute, voilà, on reprendra le travail. Bah, ouais. Hein. Bon, bah ok, très bien. Oh, j'aime bien être ici, moi. Et voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines aventures. Écrivez Max dans les commentaires si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Les amis, c'était Patch Curtis. Bienvenue dans un monde meilleur. Ciao.